Nous sommes à la leçon 4 et nous allons aborder le premier accord barré. L'acquisition de ce nouvel accord vous permettra de franchir un palier. Prenez 2 ou 3 minutes pendant plusieurs jours d'affilée pour vous exercer. Ne forcez pas pour éviter les crampes et c'est tout à fait normal que le son ne soit pas parfait au début. Si vous le travaillez régulièrement, vous serez agréablement surpris de découvrir que ce n'est pas si difficile. Bon courage pour cette nouvelle étape. Rythmique 1 en binaire. 1, 2, 3. La même rythmique en ternaire. 1, 2, 3. Rythmique 2. 1, 2, 3. Rythmique 3. Si on regarde attentivement, on s'aperçoit que c'est la même que la rythmique 1, simplement que les noirs deviennent des croches et que les croches deviennent des doubles croches. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rythmique 4, c'est une rythmique typique des 60s. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose, juste un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rythmique 5 va nous servir à jouer le 1006 dans le Gem 4, notre père du groupe Glorious. Il est écrit en 12-8 dans 4 séries de 3-8, 4 triolets de croches posés chaque fois sur une noire. Souvent, ils sont plus suggérés que vraiment joués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.